Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui nous allons entamer notre série sur le gros ménage du printemps et pour cela nous allons commencer par mon dressing. Alors sans plus tarder nous allons commencer cette vidéo, mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Alors voilà à quoi ressemblait mon placard avant, donc mon dressing. Il y a beaucoup de couleurs, ce qui crée un encombrement visuel. Donc je vais enlever tous ces pagnes, toutes ces couleurs. Je vais essayer de remettre quelque chose, de faire un peu plus joli, genre un peu boutique. Vous savez, mon placard, je le vois le matin et puis on se revoit le soir. C'est vraiment pas un endroit où je passe du temps. Donc je vais essayer quand même de réorganiser et de décorer. Là, vous voyez, là, il y a beaucoup de ceintures, des casquettes, des chapeaux. Et des habits aussi. Lors du premier confinement, j'avais déjà fait une purge, mais je pense que j'ai besoin d'une autre purge et c'est ce que je vais faire. Alors pour commencer, je vais entièrement vider le dressing. Donc vous voyez, il n'y a plus rien, il est entièrement vide et c'est ce qui va me permettre de faire un ménage à fond. Voilà, la pièce est complètement nettoyée. J'ai nettoyé en haut, j'ai nettoyé les armoires, j'ai nettoyé les tiroirs. Ce qui va me permettre d'avoir une meilleure vision de ce que je veux réellement. La dernière fois que j'ai vu ce placard aussi vide, c'était lors de l'aménagement donc dans cette maison. Alors, je vais commencer par le premier niveau. Je vais mettre ce mannequin qui a un collier. Je vais mettre aussi ces deux boîtes de rangement. Ils étaient dans mon salon. Je pense juste qu'ils seront mieux ici. Et en plus, ça me permet de mettre d'autres choses. Par exemple, là, c'est des boîtes pour bijoux. Ensuite, je vais mettre cette paire de chaussures. Je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisée. Ce sont mes effets personnels. Alors, sur ce niveau, je vais mettre... mes bracelets. En fait, je tiens à préciser ce qui fait beaucoup d'encombrement. Il y a le make-up, il y a les bijoux, il y a les habits. Alors là, j'ai fait une purge sur mes bijoux. Ensuite, je vais mettre ce pot de fleurs, juste pour faire joli. Enfin, sur ce niveau, je vais prendre cette boîte. Je peux ranger des choses, mais là, j'ai rien à ranger. Donc, ça va me servir de base pour mettre un petit sac. Ensuite, je vais prendre ce plateau miroir, je vais d'abord le nettoyer. C'est un plateau sur lequel je mets tous mes parfums. Sur ce côté, je vais mettre ce stand et sur lequel je vais me poser ma tête de mannequin et elle s'appelle Bella. Alors de ce côté, j'ai cette boîte à bijoux. Sur le premier tiroir, je vais mettre mes grosses montres. Dans le tiroir du milieu, c'est divisé en compartiments. Donc j'ai les créoles, j'ai des pendentifs, j'ai des petites boucles d'oreilles. Et sur le premier niveau, donc j'ai encore des boucles d'oreilles, j'ai aussi des bagues. Par exemple, celle-là, c'est ma bague de fiançailles que je portais il y a 20 ans. Je vais l'essayer, elle me va encore. Et là, c'est un miracle. Voilà. J'ai pas beaucoup de bagues. Je suis quelqu'un qui utilise énormément ses mains. Je me lave tout le temps les mains. Je crée, je décore. Donc, j'aime pas trop l'encombrement. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de bagues.
Alors, passons au collier. Là aussi, j'ai fait une purge. Donc, je vais les mettre sur ce stand. Le côté argenté et le côté doré. Donc, voilà, si le collier est trop long, vous pouvez l'enrouler deux fois. Voilà, comme ça. Et il sera moins long. Donc voilà, ça c'est ça me permet de voir le matin quand je vais au travail ce que je peux prendre. On va terminer ce coin par ces deux grandes boîtes. Alors là, ce sont des extraits de bijoux. Et dans l'autre boîte, j'ai mis des montres, cette fois-ci les plus petites. D'habitude, j'utilise les plus grosses. Donc les plus petites, je vais les mettre dans ce coffret. Je vais déposer cette petite fleur. Je vais mettre donc mon alliance, celle que je porte tous les jours, et aussi des boucles d'oreilles. Donc c'est au lieu de regarder dans les boîtes, c'est quelque chose quand vous êtes pressé, vous pouvez mettre vos bijoux. Alors sur ce coin, je vais poser des sacs à main. Je vais poser aussi des chaussures. Alors sur ce coin, je vais mettre ces shelf dividers. C'est pour mettre une séparation entre les articles. Je vais en mettre 4. Et je commençais un peu à être fatiguée, donc ce sera le projet pour le lendemain. Mais pour l'instant, je vais déjà les placer. Je vais aussi faire l'installation de la partie make-up. Comme ça, le lendemain, il suffira juste de remplir. Alors, je vais aussi ranger donc les extras de bijoux. Comme je vous disais, ce qui crée l'encombrement, il y a les bijoux, le make-up, les habits. Donc, je vais cacher les extras de bijoux. Je vais mettre aussi des lunettes de soleil, des lunettes de vue. Et dans l'autre tiroir, je vais placer ces boîtes pour cacher l'extra de make-up. Alors là, nous sommes le lendemain. Voilà, mon dressing commence à prendre forme. Je me suis habillée. J'ai trouvé cette tunique Bogolan qui était dans mon placard. Donc, vous voyez, c'est toujours bien de faire une purge. Donc, je l'ai portée aujourd'hui. Je vais aussi faire de petites modifications. Je trouvais qu'il y avait trop de parfums sur ce plateau. Donc, je vais transférer deux parfums sur ce petit plateau que je vais déposer de l'autre côté. Entre-temps, j'ai rempli les étagères. Par exemple, là, ce sont les pulls, les sweaters, les t-shirts. J'ai beaucoup de mal à avoir mes t-shirts, donc je préfère les mettre ici en hauteur. Hors caméra, j'ai aussi rangé tous mes jeans, mes pantalons, mes habits. En fait, ça aurait été trop long de tout montrer, donc j'ai fait ça avant de filmer le lendemain. Alors, dans ces boîtes cubes, je vais placer tout ce qui est extra, des sacs extra, des chaussures, des documents, bref, tout ce que je n'utilise pas au quotidien. Je vais maintenant passer à la partie beauté. Donc, je vais mettre mes produits de toilette. Je vais mettre ça dans c'est une espèce de Lazy Susan pour produits. Donc, voilà, ça peut contenir beaucoup de produits. Il suffit de tourner. J'aime bien avoir mes produits de toilette dans mon dressing. Par contre, les produits de cheveux, les pommades, les gels et tout ça, ça reste dans la salle de bain. Donc, voilà, j'ai à peu près tout placé.
Alors là, j'ai des échantillons de parfums. Je ne vais pas les mettre sur mon plateau, mais je vais les mettre là, dans ce plateau pour make-up. Pour cette partie, je vais juste mettre de la couleur. Je ne vais pas trop mettre de make-up, de produits de make-up. Par exemple, là, c'est des gloss, des rouges à lèvres et tout. Et voilà, j'ai caché donc les extras de make-up dans ce tiroir pour éviter justement l'encombrement visuel. Donc j'ai un peu mélangé. Donc là, j'ai des pinces, j'ai des pinceaux, j'ai du blush, en fait plein de choses. Je souligne aussi que j'ai aussi fait une purge côté make-up parce qu'il y avait plein de choses comme ça que je n'utilisais plus. En plus je vieillis, moins je me maquille. Et voilà la boîte que je garde dans ma salle de bain. Donc c'est vraiment le minimum, vous savez, avec les masques, plus personne ne se maquille vraiment. Donc j'ai vraiment le minimum, l'essentiel. Fond de teint, gloss, concealer, crayon, voilà, donc et un pinceau. Donc voilà pour ce que je garde dans la salle de bain. Alors je vais mettre une petite senteur. Là c'est senteur Pumpkins. Mais si je trouve vanille, parce que j'aime bien les senteurs vanille, je mettrai de la vanille. Alors sur ce bouquin, je vais déposer ce signe. Do what you love, love what you do. Alors sur ce crochet, c'est là où je mettais mes ceintures, mais comme je les ai déplacées, je pense que je vais mettre ce jersey de notre équipe de hockey ici à Calgary. Je ne sais pas trop, soit c'est ce jersey, soit ce sera un sac, je vais réfléchir. Alors ces tiroirs contiennent donc des bijoux, le make-up, ensuite j'ai mes gaines, disons mes Westerners aussi, et j'ai mis mes habits de sport. Alors j'ai une commode dans ma chambre à l'intérieur, là où je mets tout ce qui est sous-vêtements, lingerie, pyjama. Et voilà, c'est enfin terminé. Ça a été deux longs jours, beaucoup de travail, mais j'ai fait de mon mieux. Comme je vous disais, mon dressing, c'est pas mon happy place, c'est pas un endroit que j'enjoy particulièrement. Alors comme tout espace, ça va demander de la rigueur, de la discipline. Et je pense que cette organisation est beaucoup plus présentable. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Entre-temps, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi que ma chaîne parle d'organisation, de rangement, de propreté. Bref, tout ce qui touche à la maison. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.